tous les mercredis soirs, 10h sur RPTV, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Rochely, voté pour tous les mouvements de la vie sociale en Haïti. Le comportement de l'Haïtien en société, la société vis-à-vis du comportement des Haïtiens, à l'émission vidéo documentaire Réalité quotidienne vécue en Haïti avec Rochely, directement d'Haïti. Amis téléspectateurs Woupi Production TV, nous saluons, c'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillou pour nous présenter l'émission Paul, l'émission Rémi en pile, réalité quotidienne vécue en Haïti. À l'émission du jour, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous portons un bon sujet pour vous, comme vous connaissez, chaque mercredi depuis 10h PM sur télévision cela, pour gagner un bon sujet dans l'émission pour la réalité quotidienne vécue, qui c'est une émission qui a fait vivre fortement mon monde par la en Haïti. À l'émission du jour, nous allons parler de le poids de la mendicité chez nous en Haïti. Le poids de la mendicité chez nous en Haïti, c'est une émission qui va faire interview que nous allons faire avec mon cap mandé et interview on a fait tout avec des citoyens citoyennes qui habituent dans la rue et puis mendiant yo qu'on adresse yo. Nous allons connaître tout d'une plusieurs formes, plusieurs façons de mendier en Haïti. Les mondes qui utilisent ti moun, les mondes qui campent bien frais, bien bordé avec yon clé machine nan men yo, soi-disant machine yo pran panne et puis a dû débloquer yo avec yon galon gaz. Moun mande sous toute forme en Haïti. Alors, nan émission ça, ou va vivre moment si la yo. Rete branché ou Pi Production TV, n'a pas retourné pour nous faire vivre interview avec moun qui habitué bay, moun qui pa jam bay tout et puis moun qui habitué mande en Haïti. Rete branché n'a retourné à vous. L'ex community ballroom et restaurant l'ouvrit porte ligne 4322 North State Road 7, l'odeur de l'ex Florida, pour le desservir tout le monde à la ronde badet, cap chercher un bon restaurant pour bien manger. Yon salle de réception pour les grandes occasions, yon espace de rencontres socio-culturelles, yon salle de conférences pour les séminaires. Relais 954 677 5117 pour informations et réservations. L'ex community ballroom et restaurant paraît pour recevoir mariage, baptême, communion, baby shower, anniversaire, réunion familiale, banquet évangélique, réunion de travail, soirée dansante, événements culturels ou autres activités privées au public. Relais 954 677 5117. Salle spacieuse, espace confortable, section VIP pour les invités de marque, prix abordable. L'ex Community Ballroom et Restaurant à votre service. Au 4322 North State Road 7, l'odeur de l'ex Florida. Téléphone 954 677 5117. 954 677 5117. L'ex Community Ballroom et Restaurant, l'espace des célébrations de classe. Cette année ramène les 50 ans du groupe Les Fantaisistes de Carrefour. Pour couronner ces 50 ans en grande pompe, l'association carrefouroise lance une tournée avec les membres de l'original Les Fantaisistes qui débutera à New York le samedi 24 juin 2017. Yves Mardis, Rico Mazaré, Carmen Bichot, Weber Toussaint, Carlos Souvillon, Mama Charles, Eddie Charles, Bennett, Inemou et compagnie reviennent sur le devant de la scène avec Les Fantaisistes de Carrefour dans un gala de haut rang à Long Island Marriott Hotel le samedi 24 juin. Invité spécial, New Look. Allons profiter de cette soirée fantastique avec les vrais fantaisistes pour témoigner de notre gratitude envers eux pour toutes ces années de bonne musique. Cocktail hour à partir de 8h, remise de trophées, dîner, mini-show de Yves Mardis en solo et performance magistrale de les fantaisistes de Carrefour en tandem avec New Look. MC, Rupi The Entertainer. Frais d'admission, $125 avant le 30 mai ou $150 après. Infoline, 917-306-0211 ou 718-506-5619. Gala patronné par Dr. Dalmassi, avocat Max L. Jean-Louis et Haïti Première Classe. Johnny C. Productions is inviting each and every one of you on Saturday, July 8, 2017 at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia, to dance the night away at the sounds of the beat of J. Beats. Music, ça, c'est pour ex-boy. What a wonderful night for Atlanta, Georgia, Saturday, July 8, 2017, J. Beats, the beat, performing all hits just for you. Also performing live, Bougie Mix.
special happy birthday to Bougie Mix, Fred Sound, and Marie Cassandre. Keep it tight. At the intermission, DJ Easy will mix it to your taste. Saturday, July 8, 2017. The beat start at 10 p.m. at the hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia. $30 in advance, more at the door. Reserve your tickets and tables today by calling 404-901-1511, 404-901-1511. Most credit cards accepted. Saturday, July 8, all at the hall. À l'occasion de la fête des pères, Double L Productions invite un black tie affaire avec trois grands talents de la musique haïtienne. Samedi 24 juin 2017, de 8h du soir à 2h du matin, au Indian Spring Country Club, qui dans 11501 Elkler Ranch Road, qui dans Boynton Beach, Florida, la fête sera belle. Avec le chanteur-guitariste Ralph Condé et son groupe. Robert Charlot de Top Vice et New Vice et son équipe. Et DJ Nicky Mix pour les meilleurs mix de la soirée. De 8h du soir à 2h du matin, viens bien fêter samedi 24 juin 2017 dans Indian Spring Country Club, qui est à 11501 Elkler Ranch Road, Boynton Beach, Florida. Mesdames, c'est tout pas nous pour nous mener papa yo à le fêter. Admission $75 par personne. Cocktail hour, cash bar, dîner complet. De nuit de gala obligatoire, black tie is a must. Free valet parking for all. Ticket en vente à l'avance seulement au 561-758-0999-954-531-5576. Happy Father's Days from Double L Productions. La Réserve présente pour la première fois en Haïti une superbe soirée de comédie et de danse samedi 1er juillet 2017 dès 7h du soir au numéro 2 rue Marcel Thoreau, Berthe et Pétionville. À l'affiche, le comédien éducateur Gisler Mésidor qui pral fori vente des boutonnets avec un répertoire de blagues extraordinaires, histoires drôles et comédies sur la réalité des Haïtiens en d'un coup de leur pays. Également à l'affiche, le groupe féminin pluriel Artise qui prend le vide des musiques pour capable chanter danser. Samedi 1er juillet 2017, 7h du soir, tout Chimémené dans la réserve, au numéro 2 rue Marcel Thoreau, Berthe et Pétionville, pour une soirée unique et originale en comédie avec Gisler Mésidor. Nous prenons le bête bravo pour Frère Zamin, pour Bayomra, qui prend le vin chanter pour nous. Messieurs, on sortit dans Boston, c'est vrai, mais on vient chaler à Mignan, dans le Créo. Messieurs, on sortit dans Boston, c'est vrai, mais nous sommes capables de nous sommes avec des frères de la balance. Tête calée. Vive du valier, ta parasse. Et musique dansante avec Artise. La réserve invite au réservé ticket aujourd'hui à n'en prix 1500 gourdes par personne dans son et en coup de code lambi au 2 946 11 11 ou bien 2 940 01 90. Rupi Production Television, RPTV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10h, Opinion PAO avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10h, Opinion PAM avec non PAM, c'est Rupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soirs, 10h, série de vidéos documentaires à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Roach Lee, le correspondant de RPTV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10h, promotion totale. Le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous
tous les vendredis soirs, 10h, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi, 6h du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Roupi Culturel TV Show. Tous les dimanches soirs, 6h, moments spirituels, activités des artistes évangéliques et gloire à Dieu. RPTV, Roupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, Roupi Production TV, nous comptons rejoindre nous et merci pour votre fidélité parce que vous êtes connectés. J'en ai annoncé au lit, dans Tikyo, nous allons vivre quelques interviews que nous avons réalisées à quelques citoyens dans le pays d'Haïti sous question de mendicité, sous le monde qui a demandé dans le pays. Et nous allons vivre tout quelques mendiants qui ont parlé dans le micro à Roupi TV. On va suivre mon moment. Je suis dans l'arrière, il y a pas de médiation dans l'arrière. Je suis tombé à durer, nous avons les dames sur nous. Vous comprenez? Mais pas nous-mêmes qui avons fait ça dans l'arrière, non? Parce que nous n'avons pas de monde qui peut nous aider dans le pays. Le pays a un président là-dedans, un sénateur. Parce que nous n'avons pas de monde dans le pays. Nous avons pour nous demander pour nous aller les dames sur nous. Parce que si tu travailles dans le pays, nous ne pouvons jamais manger dans le pays. Vous entendez? Et bon, mais ça m'a dit dans la rue. Et moi, j'ai même... un autre jeune qui a volé, puis il a cassé. Comment il a fait casser? Bon, monsieur lui-même, tellement nous parlons, monsieur va attendre. Il va attendre. Chaque fois, nous dit, monsieur, par l'autre côté, monsieur, il va lever le poste grand monnaie, l'aller la veille. Pendant l'absence de la veille, il a dit, bon moto qui frappe. Ok. Depuis à qui le, nous commençons à camper dans la rue là, nous demandé. Bon, depuis bon 8 ans, nous avons demandé dans la rue, nous proposons de faire des activités. Mais ça fait nous demander parce que nous n'avons pas de monde qui peut nous. Parce que nous n'avons pas de maman, nous n'avons pas de papa. Parce que si nous avons nous n'avons jamais de demander dans la rue. Alors, petit vieux, merci. Je suis venu à demander. Je acheter la machine comme ça. Puis il faut aller vite là. Je vais descendre. Parce que vite là, je vais descendre côté de chez moi. Je descends mal côté. Je dis mamie, s'il vous plaît, je vais faire 5 gouttes. Je 5 gouttes. Ça fait les 5 gouttes là. Nous ne prenons pas 5 gouttes là. Nous complétons. Nous faisons 10 $. Et puis nous achetons un sachet de l'eau pour nous vendre plutôt. Il dit non. Nous ne pas à côté pour nous dormir. 5 gouttes là, il dit pour nous manger. Je me disais, ah, bien, ok. Chaque monde nous joue, je me dis 5 gouttes, et puis acheter de l'eau avec 5 gouttes là, elle va nous faire plus. Quand on dit merci, on tout conjure, parfois, tout ça. Et alors, ou même, ça veut dire, les gens de jeunes garçons sont adressés, vous conservez avec eux? Oui, je conserve avec eux. Alors, dis-nous, non, si vous avez un message à lancer pour tous les jeunes garçons, les jeunes filles qui ont demandé, qui message dit? Toute autorité qui est dans le pays a pour faire un mouvement avec eux, parce que vous n'avez pas besoin de vivre. Yo d'ailleurs le gars monte sous tête nous te ca aider nous c'est ça il va faire ça il va adapter principe la loi et qu'on y a ça mais nous apprendre tout gain monde qui a demandé c'est pas que yo gain problème vrai c'est juste une stratégie que yo utiliser pour faire l'argent dans la rue. Oui ça ca fait yo, ça ca fait gain des fois yo demande ou après là aller pour bayo et ça me rale sous et ça me rale sous quand fou mon valise là pour prendre la bayo qu'on y a même yo rale valise là mon gain pas sous mandé yo et c'est sous voler yo. Mais qu'est-ce que vous pensez de moun k'ap mande a ti moun yo? Moun k'ap mande a ti moun yo parfois ti moun yo konn pa pou yo. Ti moun yo konn pa pou yo ki doit yè kèk ti moun zanmi, fami yo pran pi yo pran yal mande ansanm avèl. Okay. Moi, j'ai acheté un manger avec 11 ans. Je vais acheter un manger.
manje a l'ekoli yon piti, ki a yon uniform l'ekoli li, pi tou a yon kaye nan men. E pi, se retoune la bretoune, la bretoune la kaye li, e pi pou la chèche kop fè, paske yon voul toune l'ekol, paske li baye san kop fè la pou baye, yon voul retoune, e pi pou l'kapap a chèche kop fè la, pou l'kapap kompose. Ok, wap pale de yon elev l'ekol ki te mande yo? Yon elev l'ekol. Comment vous demandez? Sans coût. Okay. Mais c'est pas comme si yon grand timon. Mais depuis qu'on 8 ou bien 9 ans, okay. Pour Abdullah, ça veut dire qu'il n'est pas privé, même pas comme qui classe d'affaires exactement. Mais est-ce que vous pensez que l'été a une nécessité à vrai? Est-ce qu'il devrait aller dans l'examen vrai? Ou encore, il fait partie des mendiants professionnels qui ont dit qu'il y a dans le pays? Bon, c'est pas comme si qui était vraiment fait mal. C'est parce que l'aime comme si on est dans la réapprendre sous toute forme. Mm-hmm. Ça veut dire li me dit comme ça l'aime comme s'il la persiste comme s'il dit va aller faire examen on a li dit comme ça si me penser c'est menti mettre accompagner dans l'école là avec OK ouais, ça même ça a dépoussé comme si bali pour comme plan pour faire là et en plus ni rien l'autre comme plan parce que c'est bon et comme on peut pas pour manger tout parce que les dimla la cali il pas jeune personne la cali ça me là ça veut dire moi personne après ça tout là et on a là moi qui pas le 100% encore tout comme ça mais comme si pour le faire tout là comme si pour manger ça veut dire en tout balle 200 oui balle 200 ça parce que parfois là il y a un bon petit comme si qui n'a nécessité ça ou aider mais dis nous non pourquoi faire expérience avec mendiant professionnel yo bon personnellement et moi personnellement pas qu'à dire comme si contre qu'est-ce qui mange un peu professionnel là exactement raison parce que moi même comme si entreprise moi comme si ça tout tata tata là plusieurs on a rentrer même on a rentrer comme si vivement soit mon passé c'est dans le niveau de situation lui ça veut dire côté faire clair ça veut dire parfois mon mettre doit quel problème comme si 250 gouttes et puis là vraiment nous on galon clé pour la fond bagaille mais il y a monde qui dit yo paye bail parce que aucun doit bail mon là et même mon ça livré à l'école blanc comment comment le phénomène ça là ouais ça peut dériver mais pour bien dire on bagage non ça arrive non ça peut dériver parce que les hommes comme si qu'on a fait que faire ça déjà mais en fait moi depuis si dans la rue comme si mon monnaie dans poche moi comme si ton monnaie à pas mais là aller bail mon là mais c'est comme si j'ai comme l'autre corps dans poche moi comme si pas aller mais ou même malgré genre de pratique ça pas empêcher ou langer mais bail un autre monde qui a un problème non bon je bail moi femme ça moi fais ça chaque jour pendant de ça et mes amis comme si qui toujours dans nécessité mon kill monde qui pas pour notre bail que me problème d'ailleurs c'est mon local ensemble ça veut dire que j'ai problème c'est pas pour mon monde là pas pour moi mon du tout et moi comme si moi mon fini mes possibilités de faire OK même les monde là c'est sous bluff lié de pour gagner oui même il est passé un pays en pays qui vit vraiment dur pendant si mes chances là comme c'est pour moi satisfait ensemble. Le poids de la mendicité chez nous en Haïti, c'était sujet nous aujourd'hui, hein, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, Roupi Production TV. Merci parce que vous êtes fidèles avec Télévision Sila. Rendez-vous m'en va, c'est mercredi prochain pour une autre émission capi intéressante avec un sujet capi piquant. Au revoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes.